Ça doit être la troisième vidéo que je fais sur ce livre-là qui est magnifique. Hein. Bigfoot Dogman entre matérialité et immatérialité. Et pourquoi j'ai insisté sur ça? Parce que je pense au Skinwalker Ranch, hein, dans l'Utah, où il y a beaucoup d'apparitions d'ovnis, de boules de lumière, de poltergeist, de Bigfoot, de Dogman. Tout ça dans une autre dimension. Donc, je remettrai aussi des liens de ce livre-là parce que ça aussi c'est très intéressant. Je crois que je l'avais déjà fait, mais je leur montrerai, je remettrai les photos. Je crois que c'est la page 43, si je ne me trompe pas. Ou à un moment, les extraterrestres, là, lui parlent de à Jean-Claude Pantel, la bête du Gévaudan, tout ça c'est issu d'autres dimensions de toute façon. J'en mettrai le lien. Parce que il y a toujours un problème avec les cryptides. Alors d'accord, les cryptides, je pense qu'il y a vraiment comme le monstre du Loch Ness. Pour moi, bon, c'est sûr, c'est quelque chose de cryptide. Et encore, faut encore voir si bon, c'est fort possible. On a aussi un dinosaure ou autre, je sais pas. Bon. Mais après, tous ces dogmans, Bigfoot, j'ai plus du mal à croire aux cryptides. Bon, moi, après, chacun, c'est. J'en mettrai rien de ce livre-là qui est passionnant aussi. Alors, Bigfoot Dogman. Après, chacun pense comme je dis tout le temps. Bon, voilà. Mais moi, j'ai plus ma pensée dans mon intérieur à moi, je pense que c'est plus d'autres dimensions. C'est comme les ovnis passent par là, c'est comme les extraterrestres, les gris, les reptiliens, c'est comme les insectoïdes. Il y a beaucoup qui passent par d'autres dimensions de toute façon. Alors à partir de là, pourquoi pas des Bigfoot ou autres, hein. Et c'est souvent des Bigfoot accompagnés ou Sasquatch ou Yeti, ce que tu veux. Souvent des créatures de 2 mètres velues, d'un plat de poils, accompagnées de soucoupes. Ça, il y a déjà eu des témoignages comme ça, hein, avec des insectoïdes à côté, des mantes religieuses, extraterrestres. Bon. Alors, moi, je pense qu'à partir de là, bon. Voilà, après, c'est mon avis personnel. Après. Bigfoot Dogman. Alors, je vais vous lire, c'est très intéressant. Le Dogman, monstruosité nocturne des marais et des vallées humides. Le Wendigo. Le Skinwalker, justement, je pense au Skinwalker Ranch. Il y a aussi des grands loups, il y a, je sais plus quoi, 30 ou 40 000 ans, qui étaient 2 fois plus gros qu'un loup normal. Mais bon, à mon avis, ils ont dû disparaître, je sais plus comment ça s'appelait. Les loups-garous des Landes, le lycanthrope vu par les occultistes, synthèse sur l'origine potentielle du Dogman. Évidemment, malheureusement, il y a la pyramide, mais bon, il parle aussi de la Lune, c'est pour ça que la Lune, comme je dis qu'elle est artificielle, tout correspond, hein. Ce qui est pas étonnant parce que la Lune, il y a beaucoup de bases dessus. Enfin bref, je ne sais pas comment ça rentre dans les détails, mais je le sais, j'ai des livres sur ça, sur la Lune. Et si ça correspond à ce qui se passe ici sur la Terre, hein, logiquement, elle ne devrait même pas être là, la Lune. Hein. Donc, ouais. Ce qui n'est pas étonnant. Et je vais lire jusqu'à une mort spirituelle inéluctable. Alors moi, je vais mettre comme titre, ben, bienvenue dans Bigfoot Dogman entre matérialité et immatérialité. Je vais mettre le Dogman à côté, le Wendigo Skinwalker, parce qu'après, il y a maximum 100 lettres hein, pour le titre sur YouTube, on ne peut pas faire plus. Par contre, Odyssée, on peut mettre beaucoup plus long. Sur Odyssée, c'est mieux. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage avec eux. Bon, après, sinon, le reste, pour télécharger, tout ça, c'est pareil. C'est aussi rapide. Enfin, depuis que j'ai la fibre, ça va quand même beaucoup plus vite, parce qu'avant, il fallait au moins une heure et demie pour télécharger une vidéo. Maintenant, en moins de 10 minutes, elle est faite, ma vidéo. Elle est téléchargée. Voire 2 heures des fois. 2 heures que je mettais. Ça, c'est la fibre aussi qui change tout. Bon. Bigfoot Dogman entre matérialité et immatérialité. Guirlande. Si vous regardez bien ici, guirlande, il y a un ovni au-dessus, hein, en plus, comme par hasard. Très intéressant le passage que je vais vous lire. Ce que j'aime bien, c'est que là, c'est marqué les Hauts-de-France, là où j'habite en plus. Hein. Le GPI. Bragi Belovac. Un joli passage très intéressant. Je remettrai le lien de ces livres-là derrière, évidemment. Le Dogman, monstruosité nocturne des marais et des vallées humides. Allez, c'est parti. Des histoires de créatures mi-hommes, mi-loups apparaissent dans les légendes écrites dès l'Antiquité grecque. Elles prennent naissance sur les versants du mont Lycée ou mont du loup, même origine que le mot lycanthropie du grec. Alors là, c'est en grec. Ça veut dire homme, j'en remettrai le truc et je vous le montrerai après. Les légendes nous expliquent que même que sur ce mont d'Arcadie, que serait né le roi des dieux Zeus. L'anthropologue Robert Hessler attire l'attention sur le fait que des nombreux noms tribaux indo-européens ainsi que quelques noms de familles modernes signifient loup ou homme-loup. L'argument est que la transition européenne de la cueillette de fruits et la chasse fut un processus conscient, accompagné d'un bouleversement émotionnel qui reste gravé dans les subconscients de l'humanité. On retrouverait donc les traces de ce bouleversement à travers les croyances aux lycanthropes. On fait aussi mention dans les très anciens rites païens, issus de sociétés traditionnelles, notamment amérindiennes,
Encore une fois, les Amérindiens, ça c'est. Et puis en plus, les Amérindiens, ils avaient une connexion aussi avec la nature, tout ça. Bon, ça c'est très bien. L'eau, les paysages, je veux dire, les fleurs, tout ça, ce que tu veux. Enfin bon, la nature en général, et aussi des connexions au-dessus. Hein. Je crois qu'on a compris pour certains. Des races qui sont pas de ce monde. Bon. Et chez ces anciens Celtes, des hommes loups revêtus de peau et coiffés de la tête de cet animal, il ne s'agit pas dans ce cas de lycanthropes comparables à ceux de la tradition européenne, mais d'un chaman à la fois sorcier et guérisseur capable de communiquer avec les esprits et entre autres celui du loup. On ne peut non plus passer sous silence les légendes du Wendigo ou du Skinwalker américain. Je vous montre après. Le Wendigo est issu des croyances traditionnelles des tribus parlant une langue algonquienne au nord des États-Unis et au Canada, plus particulièrement les Salteux Obdi Ojibwe. C'est dur à dire ça. Des cris de et les Innus. Bien que les descriptions varient quelque peu, toutes ces cultures ont en commun la description des Wendigoyak comme malveillants et cannibales, et comme êtres surnaturels possédant une grande force psychique qui vire la préférence dans la forêt et sont associés à l'hiver au nord ainsi qu'à la famine. C'est marrant parce que quand je vois le mot cannibale, ça me fait penser aux mutilations de bétail. Les animaux, hein, une sorte de créature hybride, on sait pas trop, entre un gris et bon, moi je pense que c'est point de fabrication sur des gris, qui moufle, t'as l'impression que c'est fait au laser. Hein. C'est marrant, tout de suite, ça me fait penser à ça, ces créatures-là, hein, Wendigo, bon bref. Basil Johnson et Ogjiwa, enseignants et chercheurs de l'Ontario, donnent une description des Wendigo dans les légendes des Algonquins. Le Wendigo, le Chupacabra, cherchez. Voilà. Était émacité à un point extrême, sa peau desséchée, tirée et tendue sur ses os. Avec son squelette poussant contre sa peau, elle-même de la couleur des cendres grises de la mort, et ses yeux repoussés au plus profond de leurs orbites. Il ressemblait à un squelette récemment déterré de sa tombe. Ses lèvres étaient en lambeaux, souillées de sang, la souffrance et de suppuration de la chair. La créature dégageait une odeur étrange et inquiétante de dégradation et de décomposition, de mort et de corruption. C'est sympa, quand même. Le Wendigo est associé au péché de gourmandise, de cupidité ou d'excès en tout genre. Il n'est jamais satisfait après avoir tué une personne pour la dévorer et se met constamment à la recherche de nouvelles victimes. Dans certaines traditions, l'homme qui est dominé par la cupidité, c'est pour ça que j'ai rejoint ce livre-là, je vous montrerai, il n'y a pas que la bête du Gévaudan, c'est toujours des créatures. Si vous regardez bien, c'est juste un dingue. Bon, bref. Il y a même des écrois de créatures, je me souviens même plus, en 1700, 1600, un truc de dingue, bref, qui avait tué même des enfants et tout. Moi. Se met constamment à la recherche de nouvelles victimes. Dans certaines traditions, l'homme qui est dominé par la cupidité pourrait se transformer en Wendigo, le mythe devenant ainsi une façon de prôner la coopération et la modération. Parmi les Ojibwés, je fais ça parce que peur, hein, des cris de l'Est et les Innus, le Wendigowak, c'est un petit flou, sont décrits comme des géants, une caractéristique du mythe algonquin absente dans les autres cultures. Je vais vous montrer. Tout en le Dogman, excusez-moi pour le flou, encore une fois, dégueulasse. On dirait que c'est fait exprès. Voilà. Le Wendigo. Je vais dire la suite, évidemment. Moi, ça me fait penser curieusement au Chupacabra, hein, comme on dit, le suceur de chèvre. Bon. Ouais, ça paraît rigolo quand on dit ça comme ça, mais les mutilations de bétail, c'est pas du tout rigolo. Hein. Ce qui s'est passé en France en 2020 ou 2021, la période, et je suis sûr que ça continue, on n'en parle plus à la télé. Tout de suite, on a dit que c'était sectaire, c'était les gens habillés. Bon, bref, faut pas oublier que dans ces mutilations de bétail, peut-être que c'est hors sujet, mais si, c'est quand même ufologique. Tout est associé encore aux hélicoptères noirs, qu'on ne sait pas trop ce que c'est, il n'y a même pas de plaque de matriculation. Tout est encore associé à l'ufologie, encore une fois. Alors, chaque fois que le Wendigo mange une autre personne, il grossit en proportion de ce qu'il vient d'avaler et ressent à nouveau la faim. De sorte qu'il ne s'est jamais rassasié, il est donc constamment à la fois gavé et en état de famine. En état de famine, pardon. Le Skinwalker, donc le Skinwalker Ranch, excusez-moi. Je suis pas exprès, décidément, y a rien qui vole. Voilà. Le Skinwalker, donc le Skinwalker Ranch, je pense dans l'Utah. Hein. Nevada, à côté, c'est zone 51, si je ne me trompe pas. Hein. Bon, le Skinwalker, ou marcheur de peau, est dans la culture Navajo. Un type de chaman malveillant qui peut se métamorphoser, s'emparer ou prendre l'apparence d'un animal ou d'une personne.
C'est d'ailleurs ce qui a conduit les tribus navarro à interdire l'utilisation des peaux réputées être utilisées par les Skinwalkers. Traditionnellement, lorsque les membres des nations amérindiennes découvraient l'existence d'un Skinwalker parmi les leurs et arrivaient à les démasquer, ils exécutaient sur le champ sans autre forme de procès, car il était considéré comme irrécupérable ayant atteint un stade en deçà de l'humanité. Selon les légendes amérindiennes, les Skinwalkers se transforment souvent en un loup, un corbeau ou un coyote. Ça me fait curieusement penser, parce que pour ceux qui ont connu la série, je sais, j'ai rien à voir, mais bon, j'aime bien parce que dans les années 80, il y avait une série où ils se transformaient en serpent, en aigle et en panthère noire, c'était Manimal. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette série-là, mais moi, ça me fait curieusement penser à ça. Ça n'a rien à voir, mais bon, sur le coup, hein, bon, c'était Manimal, je crois. Ouais. Ce sont des guérisseurs chamans devenus, bon, mauvais et qui ont commencé à utiliser les pouvoirs et leur magie, les magies pour faire du mal ou provoquer le malheur aux autres. Le mythe, bien qu'originaire du folklore des Indiens Navarro, se retrouve aussi bien dans les tribus amérindiennes Hopi que Utes. UTES. Les trois tribus sont localisées dans le sud-ouest des États-Unis, en Arizona, dans l'Utah, là où il y a le Skinwalker Ranch, hein, et dans le Nouveau-Mexique. Le Skinwalker sont de véritables praticiens du mal qui réussissent à acquérir leur pouvoir surnaturel après un acte particulièrement monstrueux et ultime qui leur fait perdre toute l'humanité. Le meurtre d'un membre de leur famille, l'inceste, la nécrophilie. L'obtention, arrête d'y penser, de pouvoir occulte ou en recours à un rituel particulièrement violent et contre nature. Dans certains récits, nous retrouvons le mot Clisiati, alors Clizyati, pour qualifier un Skinwalker. Ou Skinwalker, bon, en français, en anglais, je reste en français, donc bon. Ce terme signifie qu'il a atteint ce qui peut se faire de pire et qui représente véritablement le mal incarné. On peut également faire un rapprochement entre le Skinwalker et le Berserker. Pas confondre avec Predator, Berserker, ça dans le film, c'est autre chose. Issu de la mythologie germano-scandinave, dans ses sculptures, le Berserker était un guerrier qui revêtait la peau d'un animal, souvent celle d'un ours ou d'un loup, pour acquérir ses qualités et devenir quasiment invincible dans les batailles. Le Berserker devenait littéralement l'animal dont il portait la peau. Encore aujourd'hui, il nous reste des récits qui relatent ce phénomène de transformation, de transfert de pouvoir et d'identification. Dans les légendes urbaines modernes, le Skinwalker subit un métissage des caractérisations des personnages issus des légendes Navarro, Hopi et Ute, oui, les trois, auxquels se sont en plus ajoutées des spécificités propres aux loups-garous européens. Le personnage n'a toutefois fait son entrée dans la culture américaine que très récemment. Ce n'est qu'en 1996 qu'on en a commencé à en parler. Ce qui n'est pas si vieux, il y a 25, 26 ans, 27 ans, ouais. C'est vrai que c'est pas si vieux. Au moment où une équipe de chercheurs a démarré des investigations sur une série de phénomènes étranges ayant eu lieu dans le Skinwalker Ranch de l'Utah. Là où il y a beaucoup d'apparitions de poltergeists, de boules de lumière, d'ovnis, de Bigfoot, d'extraterrestres, de géants, il y a du tout. Voilà. Donc c'est des autres dimensions. C'est ce que je dis dans mon truc sur à propos dans Galaxy One. Si vous regardez bien, j'ai marqué haute dimension. Voilà. Après, il y a peut-être vraiment des cryptides, oui, hein, c'est possible, bon, possible, mais il doit pas avoir des masses. Hein. Ce que je pense, c'est pas des masses, parce que généralement, quand tu vois un Dogman, j'ai souvent écouté des vidéos, j'écoute, hein, beaucoup, je regarde, je fais le tour hein, du web, tout ça, c'est souvent des apparitions soudaines et disparitions soudaines, hein. Comme par hasard, hein, comme par enchantement. Hein. Elles sont pas là physiquement, il y a des traces, oui. Il y a peut-être des poils, ce que tu veux, des traces de pattes, ce que tu veux, des pattes, ouais, pas des pieds, bref. Mais ils disparaissent, hein, ils apparaissent, ils disparaissent, comme ça. Bref. C'est comme un peu, je pensais un petit peu au crop circle, que ça fait en quelques secondes, hop, en même pas une minute, le truc est fait, hein, quelques minutes, je sais pas, bref. C'est assez curieux, hein. Une bien étrange légende, bon, enfin, moi je devine un peu, hein, bon, je suis pas étonné. Une bien étrange légende bretonne. En Bretagne, il est fait référence au Yonne Élez. Un vaste marais situé du côté des monts d'Arrée, près de Brennilis, une légende ancienne en fait, les portes de l'enfer. D'après les légendes relevées par Anatole Le Braz, professeur de lettres et écrivain du XVIIIe siècle, c'est à cet endroit que les prêtres exorcistes de la région venaient perdre les esprits mauvais hantant les vivants. J'aime pas quand il y a des phrases comme ça, quand je fais la vidéo, j'ai toujours l'impression que bon. Pour ce faire, le revenant était projeté dans un chien noir, l'engin noir, puis jeté dans le Yum Élez au crépuscule. Les loups-garous des Landes,
Alors maintenant, je pense à une autre histoire. Non, c'était pour faire peur. Les loups-garous des Landes, dans le département français le plus riche en podzozole, voir l'annexe, je vous montrerai après les liens. Il n'est pas surprenant de retrouver de nombreuses légendes centenaires à propos de loups-garous. Afin de ne pas perdre la trace de ces légendes, l'abbé Vincent Foy, 1857-1932, référence à ces dernières dans son livre Sorcières et loups-garous dans les Landes. Déjà, ça remonte un hein, moment. C'est à la page 46 que cet enfant du pays fait mention de la présence récurrente d'histoires. C'est pour ça, après, je vous montrerai la page 43. C'est intéressant aussi, ça, parce que là, ça relie beaucoup de choses, encore une fois, qui ne sont pas de ce monde. C'est tout pour moi, vraiment. La page 46, que cet enfant du pays fait mention de la présence récurrente d'histoires de créatures lycanthropes depuis le Moyen-Âge jusqu'à son époque. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Faut arrêter de dire. Les dogmans, ça me fait toujours un petit peu rire. Hein. C'est pas méchant ce que je veux dire là. On a l'impression que ça fait que depuis 10-20 ans, ça existe. Non. La bête du Gévaudan, ces créatures-là, c'était déjà bien avant. Hein, ça ressemble un petit peu à ça d'ailleurs. Et même des autres créatures qui ont tué des enfants, des femmes et des hommes. Des trucs horribles. Je m'en souviens même plus ces histoires-là. Pas que la bête du Gévaudan. Les loups-garous, il y en a généralement dans toutes les contrées et même dans toutes les communes. On cite constamment, couramment, les endroits où ça semble les sorcières, mais les lieux de prédilection qu'affectionnent les loups-garous, ce n'est guère qu'à Buenes, Buanes, qu'on en affirmera que les vastes plaines stériles et désertes sablonneuses qui séparent Bahut-Soubiran de la Trille servant de rendez-vous à ces nocturnes et sinistres voyageurs. Alors, voyageur, on peut dire voyageur hors du temps, voyageur de d'autres dimensions. Hein. Moi, j'aurais ajouté ça, hein, carrément. Ouais. Quoi qu'il en soit, parce qu'il faut oublier que là, ça remonte, hein, parce que l'abbé Vincent Foy, 1857-1932, donc ça fait déjà quand même belle burette qui est décédé. Bon. Quoi qu'il en soit, ce point de vue spécial, on parle même pas encore d'ufologie. Hein. Bah non, il se trouve volant, c'était seulement en 47. Alors que ça fait des milliers d'années qu'ils sont là. Bon, quoi qu'il en soit, ce point de vue beaucoup plus spécial, bascon et privilégié, actuellement nous sommes bien fournis. Et me disait un aimable indigène, nous comptons 33 sorcières et 27 loups-garous. 33, tiens. Les loups-garous qui attaquent les passants pendant la nuit s'enveloppent au préalable d'un manteau résistant, le prigrissa ou pris, qui les rend 4 fois plus forts. Il est intéressant de noter aussi que le département des Landes est parsemé de plus de 300 fontaines guérisseurs et évangélisées nommées Houn, Houn, ce qui laisse présager de la vigueur des courants telluriques de la région. Notamment par le passage de la méridienne. Ah bah justement, en ce moment on en parle de ça. Je écoutez bien ce que je vais dire. La planétaire orientée pôle nord, pôle sud et passant par Stonehenge. Tout ça correspond comme les crop circles, c'est sur le même. Parce qu'il y a aussi le passage courant tellurique comme les crop circles, hein. C'est ce qu'il dit Umberto Molinaro. Je l'avais déjà lu, là, mais là je m'en rends compte encore une fois, hein, j'en souvenais plus de ce passage-là. Comme par hasard, hein, Stonehenge, tout ça correspond avec tout ça. Bon, bref. Et la Lune. Est-ce que vous avez compris encore le raisonnement? Non, bon. Et passant par Stonehenge et le Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel. En ce moment on parle que de ça, Michel, Saint-Michel, hein, tout ce qui se passe à la télé, bon, c'est autre chose. Bon. Pourquoi je pense à ça? Parce que Michel, c'était mon père. Il est décédé. Donc, ce coucou, ça me fait toujours un petit peu. Il est décédé en 2008. Ça me fait toujours un peu bizarre. Le Mont Saint-Michel. Le lycanthrope vu par les occultistes. Au 19e siècle, Eliphas Lévi rejette les théories de la médecine pour expliquer la lycanthropie par l'existence d'un corps sidéral ou corps fantôme. Je préfère ce terme-là parce que corps fantôme, si c'est d'autres dimensions, oui. Qui agit en tant que médiateur entre l'âme et un organisme matériel. C'est déjà très fort pour le 19e siècle, hein. Eliphas Lévi. Ainsi, chez un homme dont l'instinct est sauvage et sanguinaire, son fantôme errera vers l'extérieur sous la forme d'un loup, alors qu'il dort paisiblement chez lui, rêvant qu'il est un vrai loup. La lycanthropie s'expliquerait, selon ses propos, par une expérience extrasensorielle, le corps humain étant sujet à des influences magnétiques et nerveuses et ressort des blessures reçues sur la projection lui-même. Plusieurs théosophes étudièrent les phénomènes parapsychiques et proposèrent des théories similaires. Là, je vous montrais le Skinwalker. Très intéressant aussi. Donc, évidemment, le Skinwalker Ranch. Bon, là, c'est des hommes plutôt déguisés en loups. Voilà ce que ça donne, tout ce que je viens de lire. Et moi, c'est marrant, hein. C'est là qu'on constate que quand tu as plusieurs livres, des dizaines et des dizaines, je sais pas combien je dois avoir, livres, 150, 200, je sais pas, avec les magazines, c'est là que tu constates que tout a toujours une origine ufologique, enfin, pour ma part. Je suis désolé de le dire, mais si.
Il y en a beaucoup. Ah, il y en a qui vont dire oui, cryptide. D'accord, bon, chacun, mais moi je suis désolé, j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup d'ufologie. Il faut oublier que la Lune qui est à côté, il y a beaucoup de structures sur la Lune, ça joue aussi avec tout ce qui se passe avec les dogmans, etc. Il y a beaucoup aussi d'enlèvements qui se passent sur Terre, que les gens qui se rejoignent sur la Lune. Oui, j'ai vu des trucs comme ça, dans, je sais plus quelle histoire j'ai vu. En elle-même, la Lune, elle devrait même pas être là, de toute façon. C'est très simple, voilà. Elle devrait même pas être là parce que c'est pratiquement on va dire un satellite, bon, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le truc, mais il y en a peut-être qui m'ont compris. Artificiel. Alors, selon Charles Westbester, donc en fait, c'est une fabrication. Hein. ça fait mal ce que j'ai là, mais bon. Leadbeater, le doublement des blessures était le résultat d'une projection astrale dirigée par la personne blessée, et le transfert de blessures vers le corps matériel s'appelait répercussion, pardon. Les entités astrales seraient capables de matérialiser le corps astral d'une personne violente et brutale pour le contrôler, le transformer en loup ou en un autre animal, le propulser dans une course frénétique. Au XXe siècle, l'exorciste et voyante britannique Rose Gladden pensait également que le voyage astral pouvait expliquer l'activité des loups-garous. Alors, voyage astral, ça sort encore autre chose. Bon, il y en a qu'on y croit, on n'y croit pas. Moi, une fois, j'ai essayé. Hein. Il y a des vidéos comme ça, certaines YouTube. Bon, j'ai sorti quelque chose comme si j'étais décollé, mais je me suis arrêté là parce que ça m'a, j'ai quand même pas été très bien. J'ai pas été jusqu'au bout, ça m'a un petit peu flippé. Bon, après, voilà, après. Et pas que le voyage astral, faut quand même savoir le faire parce que ça peut être dangereux. Hein. Enfin, pour ceux qui connaissent ce sujet-là, bon. Supposons que je vois une personne cruelle tirant plaisir de choses horribles dans la vie. Si je projetais mon corps astral à l'extérieur de mon corps matériel, tout le mal environnement pourrait entrer en moi. Mais moi, il se saisirait de ma projection astrale ou de mon double. Je serais alors transformé en loup ou en autre animal féroce. Les forces de mal se matérialisent mieux dans le genre humain et la personne d'un homme Vauvais que dans un vide nébuleux. Les lycanthropes sont les manifestations les plus néfastes de toute l'humanité. Dans certains cas, la lycanthropie ne résulte pas de la métamorphose du corps, mais d'un voyage de l'âme. Moi, je dis que le voyage astral, ça n'a rien à voir. Bon, après, c'est complètement autre chose. Tu te sens comme décollé, tu te sens de voyager. Il y en a qui arrivent à faire quand tu fais de la méditation. Sur YouTube, il y a des vidéos comme ça, enfin, les bonnes vidéos. Il y en a même qui expliquent que c'est mieux pour débutants. Faut pas tomber sur des vidéos un petit peu fake, on va dire. Ou sinon, tu fais une hypnose régressive, il n'y a rien de mieux que ça. Là, pour moi, c'est encore mieux parce que là, tu rentres carrément dans le truc. Hein. Bon, la lycanthrope. Le lycanthrope peut être un esprit qui sort de sa tombe sous forme de loup. Je pense à Nathalie. Hypnose régressive, voilà par exemple, ou alors Rachel Fortin. On croit par là que le corps métamorphosé est celui d'une âme damnée qui ne trouve pas le repos dans sa tombe. Synthèse sur l'origine potentielle du dogman. Alors, en prenant en compte ces légendes mondiales et en considération des sources de l'occultisme, nous pouvons proposer une théorie dans laquelle les dogmen auraient pour origine les esprits désincarnés d'hommes et de femmes ayant vécu des vies humaines tournées vers la soif de leurs appétits pervers poussés à l'extrême. Ces esprits ou anciennes personnalités humaines se couperaient alors de leur origine spirituelle supérieure et tenteraient de suivre entre la sphère éthérique physique du monde animal et celui des désirs de astral humain. En occultisme, il est enseigné que les animaux ne possèdent pas d'âme individuelle, mais seraient. Bah, de toute façon, tous les animaux, nous aussi, on a tous un paradis. Même les animaux, ils ont tous un paradis. Ici. Ça, je le sais parce que j'ai un ami qui s'appelle Patrick Dessau. Il y a des livres sur ça, magnifiques, et par extraterrestres, tout ce que tu veux. Et par aussi des multiples paradis, des mondes parallèles, etc. Encore une fois, vous allez dans à propos, vous allez trouver hein, sur mon truc YouTube. Hein. Et les animaux, mes chiens, ils ont un paradis. Hein, pour vous dire, bon. Pas d'âme individuelle, mais serait branché à des âmes groupes, à espèce d'égrégore divin de la Cloud. Cloud. Ou du Cloud, Cloud, dans lequel chaque projection animale individualisée viendrait puiser les instincts de sa race d'adoption et les acquis à ses prédécesseurs individuels. Alors après, on pourrait parler de réincarnation, mais c'est encore autre chose. Le loup est un animal très particulier car il est une passerelle vers la domestication qui donne le chien. C'est une race intelligente au seuil du passage vers le statut du sur-animal, en contact avec le règne humain. Qui est supérieur d'influence humaine par la maîtrise de leurs instincts et pouvant de fait vivre toute une gamme d'expériences offertes par ces maîtres humains. On peut donc s'imaginer qu'un esprit humain en décadence et glissant vers son annihilation chercherait à se rattraper aux branches de l'évolution spirituelle et physique en piratant, faute de mieux,
l'égrégore animal le plus à même lui fournir une forme potentielle d'intelligence alliée à une enveloppe charnelle robuste. Celui il permettrait de pouvoir maintenir une présence physique sur notre plan par l'absorption de produits carnés riches en fer et en soufre. Alors là, il y a une photographie de 2004 prise dans le Michigan par le passager arrière d'un véhicule qui est réalisé une marche arrière, qui est réalisé une marche arrière sur un site de dépeçage de gibier de chasse. Oui, je vous montre quand même. Créature étrange. Voilà, je peux pas faire mieux. Alors, le lien avec son âme créatrice était rompu. Il devient un véritable déchet subtil de l'activité spirituelle, naviguant temporairement entre les mondes éthériques et notre monde physique dense. Avant son inéluctable chute et désagrégation dans le néant, c'est alors pour lui la vraie mort spirituelle, le retour à la conscience dans l'immobilité centrale, point d'origine de la création. Alors là, c'est un schéma personnel présentant la place du dogmane dans l'arbre de la création spirituelle. Les âmes issues d'un niveau supérieur, celui du niveau monadique, génèrent des formes pensées humaines afin de vivre l'expérimentation dans la matière. À leur mort, les personnalités humaines remontent vers leur âme, comme raconté par les victimes de NEDE, c'est-à-dire la mort imminente. Hein. Bah oui, c'est pareil. Bah, soit la mort imminente, il y en a que beaucoup qui disent qu'ils seront enlevés par les extraterrestres, abduction extraterrestre, des expérienceurs, ils disent que ça fait penser un peu comme un tunnel. Hein. Donc, bon. Et réintègre, hein, comme si t'étais mort, hein. Et réintègre celui-ci. Mais c'est pas encore tout à fait pareil, abduction, mais ça y ressemble. Dans certains cas d'humains ayant vécu des vies d'une grande perversion, l'âme ne les réintègre pas et rompt le lien. La personnalité humaine perd alors son contact avec la divinité. L'ext, décrit dans ses travaux de Jacques Ravintin et survit temporairement sur un axe horizontal entre les sous-plans éthériques et les sous-plans de l'astral. Oui, bah oui, mon astral, oui. Le bas et le haut, l'astral, bah oui. Avant sa dissolution définitive, une vraie mort spirituelle, mais ce n'est pas tout, car la créature utilise aussi un axe vertical spirituel à cheval entre le cycle animal et le cycle humain, ce qui lui permet de se forger un corps physique bestial à son image spirituelle. Alors, je vous pose la question, où est le cryptide d'un an? Et tout ce que je dis, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Peut-être deux, trois trucs. Là, on parle d'âme, de sorte d'incarnation, de récarnation. On parle aussi après de la lune. Je vois pas où il y a le cryptide dedans. Hein. Un animal que tu verrais. Bon. Pour l'instant, je ne sais pas. Hein. Je me pose quand même la question sérieusement. Alors, je vous montrerai ici. Divin non manifesté, infini, subjective. Divin manifeste, personnalité humaine, coupure du lien avec l'âme, forme pensée. Vivifier, égrégore, prière, méditation, forme pensée temporaire. Ouais, c'est assez complexe, mais j'aime bien. J'aime bien ce genre de lecture. Je sais pas ce que je vais balancer comme. Parce que j'ai fait une autre vidéo sur le livre, excellent livre de Thierry Jamin, Les momies non humaines de Nazca. Magnifique. Je suis encore en train de le lire, j'ai presque fini. C'est une tuerie, son livre. Une tuerie. Je sais pas si je balancerai ça par la suite ou autre. Ou je verrai ça d'ici 2 jours. Je vais balancer peut-être une autre vidéo justement sur la Lune, voilà, de Andreas. Les structures sur Mars, ce que j'ai déjà montré, hein, des vidéos que j'ai déjà faites, bah, il n'y a pas si longtemps la dernière. Hein, donc, je pense que je vais balancer ça. Après, je ne suis pas, comme je dis, bon, il y a beaucoup, bon, j'essaie de comprendre, mais il y a beaucoup de choses, c'est un petit peu perdu, parce que moi, c'est surtout l'ufologie en premier. Moi. Pour rentrer dans des termes assez. C'est comme le humo, là, ce que je vous ai présenté, j'ai commencé à lire. C'est intéressant, mais c'est assez. Bon, il y a des trucs que je comprends et je suis obligé de relire 2 fois parce que. Alors, je me renseigne avec Internet parce que. C'est pas si facile à comprendre quand même. Bon, après, voilà. Je ne peux pas être non plus expert partout, c'est pas possible. Hein. Mais j'aime bien dans l'ufologie qu'il y a tout. C'est-à-dire, j'aime bien crop circle, mutation de bétail. J'ai pas fini. Hein. J'aime bien parler de tout. Voilà, je trouve que c'est très intéressant, les abductions extraterrestres, etc. Je trouve que c'est le plus beau sujet au monde. Même les bifous des dogmates, ça peut être associé à l'ufologie, pour vous dire. Hein. Pour survivre, même le paranormal. D'accord? Donc ça va très loin. Pour survivre temporairement, ces créatures tentent extrêmement loin d'ailleurs. De passer le pont quartz haut.
placés entre leur plan éthérique et notre plan physique, dense, voire l'index 5. Bon, c'est à l'heure qu'apparaissent tous les constats faits par les témoins de ces phénomènes. Présence le long des routes, la créature semble être tapie dans les bas-côtés des routes, en embuscade de la moindre bête fauchée par la circulation routière, allant même jusqu'à pousser les voitures à commettre des fautes pour mieux écraser des proies. La consommation de cadavres d'animaux favorise, un peu comme les chupacabras, hein, leur maintien sur notre plan dense par l'absorption du sang riche en fer. On sait que le fer interagit. Moi, j'aurais bien voulu. Ben après, je sais pas, c'est pas moi qui fais le livre, hein, je le respecte totalement. Qui aurait rajouté peut-être, ça aurait été bien de rajouter chupacabra, mutilation de bétail, parce que ça se rejoint quand même, curieusement. Hein. J'aurais. Mais bon. On sait que le fer interagit parfaitement avec les champs électromagnétiques. Mais on s'égare, mais non, on s'égare pas tant que ça. Présence de la périphérie des villes et des fermes afin d'avoir accès à un gibier domestique facile à chasser, chevaux, vaches, moutons, chèvres, poules, chiens et chats. Tu as sur le bétail, c'est les chevaux, des vaches. Bon, même j'ai même du jeu autour des histoires avec des poules, etc. Bah oui, comme par hasard. Chiens et chats. Hein. Présence, ouais, plus pauvre bête, le long des sites sacrés, des cimetières anciens. Des implantations humaines spécifiques faites là où les échanges cosmotelluriques sont les plus favorables aux célébrations religieuses, mais favorables aussi aux apparitions subtiles entre notre plan de réalité et les autres plans. Confère mon chapitre sur la ligne de force dans mon premier livre. Présence. Ah oui, j'ai pas son autre livre de Bragi Belovac, je sais plus ce que c'est, bref. Je l'ai pas du tout. Peut-être un jour je le prendrai. Présence à proximité des chasseurs, des pêcheurs, toujours dans le but d'avoir accès facilement et rapidement à du gibier mort. Présence dans les marais et à proximité des vastes. Bah ici j'en ai, hein, où j'habite, pas loin. Des vastes étendues d'eau souterraine, ni mer plus. L'immersion dans les fossés, les trous, les valons permet de coupler l'eau avec le quartz des roches mères, grès et sable pour un passage entre les plans. Je vous dis, là, à l'heure actuelle, là où j'habite, je ne vais pas dire où, c'est dans le nord. Bon, là, il y a toutes les lampes, là. Elles sont toutes éteintes. On voit rien, c'est le néant. Il faut que tu te balades qu'une lampe. J'irai même pas. Parce qu'en plus, si tu vois là-bas dans le coin où je suis, hein, t'as une sorte de petite forêt. Mais c'est pas une grosse forêt, mais c'est une petite sous-bois. J'irai jamais. C'est même pas la peine, même tout seul. Hein. Rien que d'y penser. En plus, si c'est à ta pleine lune en plein moment, c'est encore pire. Parce que toutes les lampes, elles s'éteignent vers je sais plus quelle heure. Alors, je vous dis pas, après, c'est le noir complet. C'est vraiment bizarre. Comme. Bon, bref. Odeur de cadavres en décomposition. Dans la théorie que je propose, ces bêtes surgissant, bon, enfin, de sol hydromorphe riche en fer ferreux, de type réductible et ré ou rédoxygue, récigue, des marées, bah oui, sera en contact direct avec l'hydrogène sulfuré H2S, présent dans des sols humides sans oxygène, dont l'odeur d'œuf pourri. Ça, c'est intéressant parce que l'odeur d'œuf pourri. C'est ce qu'on dit souvent, je pense à Jerry, chasseur de fantômes, quoi qu'on en dise, hein, je sais pas là, pour David Garcia, bon, qu'on foute la paix sur toi, David Garcia, parce que sinon ça n'arrête pas. L'odeur d'œuf pourri, c'est ce qu'on retrouve souvent dans le paranormal. Et aussi, je crois, dans les apparitions ufologiques. Ça, j'ai remarqué ça. Apparence disproportionnée, exagérée, le corps serait grotesque et s'il n'était pas terrifiant. Le dogmane génère par lui-même son corps matériel selon ses pensées perverses et ses connexions astrales mentales avec l'esprit groupe d'une classe animale proche du genre humain canidé. Hein. D'abord famélique et décharné, à l'image du Wendigo, la consommation de proies va ancrer temporairement le dogmane entre la matérialité, lui donnant une apparence de plus en plus massive et puissante. Un environnement devenant silencieux, comme pour les témoignages d'OVNI. Bon, l'environnement d'où sort la créature semble comme sous cloche. Plus de bruit d'oiseaux, oui c'est ça, il n'y a plus de bruit d'oiseaux ou de vent. Comme si tu avais un temps manquant, massing time, pour tout ce qui est ufologique. Hein. Exactement pareil. Preuve de l'intégration des témoins dans un plan intermédiaire de réalité, se jouant de l'espace et du temps, ce phénomène est bien connu des ufologues. Vous parlez à moi, ça c'est sûr. Regardez bien tout ce que j'ai mis à propos, c'est intéressant parce que ça rejoint beaucoup de choses. Hein. Alors à propos, sur mon compte YouTube, bon, c'est pas compliqué. Galaxy One, vous allez dans à propos, vous allez voir, regardez ce que j'ai dit, description, hein, c'est pas si compliqué. Ça se rejoint tout ça quand même. Des bons gigantesques sans élan. Par son intégration partielle dans les réalités physiques de notre plan, la créature semble se jouer de l'espace et du temps.
C'est très intelligent, son livre, ce qu'il fait là. Hein. Je dis rien, mais c'est extrêmement intelligent. Hein. C'est bien de... C'est comme Thierry Germain, ça n'a rien à voir, mais bon, on parle de momie, bon, enfin, c'est ufologique, mais... Si, ça se touche. C'est extrêmement... Il est très bon aussi, très très bon. C'est même des choses que moi, je savais déjà, mais c'est bien, parce que je me suis dit que pour un archéologue, quand même... Ouf, très fort. D'où ces bons... Alors, je relis. Des bons gigantesques sans élan, par son intégration partielle dans la réalité physique de notre plan, la créature semble se jouer de l'espace et du temps, sur de courtes distances, d'où ces bons sont, sans tenir compte de la topographie du terrain, en glissant comme sur un décor en carton-pâte. Des lumières étranges avant ou après les apparitions. Là encore, ceci est la preuve d'une libération d'énergie au moment de l'entrée et de la sortie de la créature entre notre plan et son plan d'origine. L'impossibilité de s'en prendre aux êtres humains. Bah oui, bah les Bigfoot, c'est pareil. Mais moi, j'aurais plus confiance de voir un Bigfoot qu'un Dogman. J'aurais moins confiance, je sais pas pourquoi. Curieusement, je sais pas. C'est peut-être l'aspect, mais bon, pourtant, le Bigfoot, il est beaucoup plus gros. Et moi, s'il fait un tournage jusque 2, 3, 4 mètres. Hein. J'avais fait une vidéo comme ça. Hein. Le Yeti du joueur, bon, plus grand. Le Dogman, ne possédant plus le lien divin avec son âme créatrice, ne vibre plus sur des fréquences élevées. L'approche d'un humain lui est donc pénible, car l'homme, lié à sa part de divinité, donc sa part aussi de spiritualité, hein, bah, maintient une vibration haute qui est désagréable. Ça dérange aussi quand on parle des reptiliens, c'est pareil, hein, c'est dans le même truc. Hein, Roulage dans le sable, plusieurs témoins expliquent avoir, je parle des extraterrestres ou Draco, hein, avoir vu le Dogman se router dans la terre sous l'angle pédologique. On pourrait imaginer que la créature gagnerait en maintien sur notre plan en se couvrant de grains de quartz et en ingérant le sang des cadavres d'animaux FE. Hein, FE, c'est... Il pourrait ainsi gagner en distance de déplacement hors de sa zone d'apparition originale par le maintien d'un ratio quartz fer-eau stabilisé. J'aime bien parce qu'il va très loin, c'est très très bon. Je l'avais lu, hein, mais c'est parce que j'essaie de me remémorer tout ça, c'est très très intéressant. Entre chien et loup, faute de ligne de force cosmotellurique, à proximité un médium ou une association de médiums aurait, ENT, aurait, hein, ou ENT, hein, voilà, la capacité de favoriser l'observation de ces créatures entre matérialité et immatérialité, bah oui, comme le Skywalker Ranch, hein, ça rejoint, hein, chez les soleils, mais si, lors des nuits à forte attraction lunaire. Une facilité médiumnique à s'immerger dans le bulle de réalité du Dogman. C'est le cas de ce témoin interrogé en exclusivité pour cette étude, un témoignage inédit d'une rencontre de Dogman dans une chambre à coucher. Bah, entre ça ou se faire relever par extraterrestre, je ne sais pas lequel choisir. Hein. C'est à l'heure d'une nuit en pleine lune, en 1974, et pour ça, je vous dis, des fois, quand t'as la pleine lune ici, on voit rien autour. Si tout est éteint, c'est... Bon, il y a des maisons, hein, il y a à peu près une cinquantaine de maisons, pas plus. Avant, il y avait rien, on était tout seul. Mais ça, c'est curieux comme ambiance le soir, ici. T'entends même pas un rare, rien, hein, je veux dire, c'est... Même pas un chaud. Parce que je sais qu'après, toutes les lumières sont éteintes, parce que là, je ne vois rien du tout, j'ai beau regarder, c'est le noir complet. Rien d'y penser, c'est le noir complet. C'est vraiment, je sais pas comment dire ça, à côté t'as les marais, pas loin. À tout ce que je suis en train de lire là, bon. C'était à l'heure d'une nuit de pleine lune en 1974 dans notre maison d'enfance à Port-de-Bouc, Bouches-du-Rhône. Mes parents recevaient un cousin d'Espagne, membre de l'Opus Dei, et si j'avais laissé ma chambre à notre hôte. Et j'avais laissé ma chambre à notre hôte. Oh oui, si j'avais. Et j'avais laissé ma chambre à notre hôte. Pardon. J'étais donc dans la chambre de mon frère de 7 ans. Moi, j'en avais 6. Je n'arrivais pas à m'endormir, peut-être à cause de la lumière de la pleine lune qui filtrait dans la chambre. C'était le début de soirée. Le cousin échangeait avec mes parents dans la salle à manger. J'étais dans un lit et mon frère dans un autre. Lui dormait. D'un coup, je vis sur le mur d'en face, comme projeté par rétroprojecteur, déjà j'ai des frissons, invisibles, des caractères symboles lumineux sur le mur. Alors là, nous étions en 1974, hein, il y a 40 ans pratiquement, 50. Puis des images d'animaux, comme des cartes illuminées dans une lumière jaunâtre. Elles apparaissaient en superposition sur la tapisserie de la chambre. Juste après, elle est apparue au pied de mon lit, une bête étrange à quatre pattes. Quatre pattes. Cette bête me faisait penser à un chien car c'est ce que je connaissais de plus ressemblant à cet âge, mais les yeux étaient très noirs et gros en amande. Alors moi je pense à des petits gris, mais bon, ça y ressemble. Hein. Après ça peut être aussi
Il peut jouer aussi au poltergeist. Hein. L'ufologie peut jouer au poltergeist, au paranormal, ils font ce qu'ils veulent. Il y a ça aussi, ça je l'avais déjà dit. Mais bon, là, c'est peut-être bon. Mais, de toute façon, ça se rejoint quand même. Il avait des poils noirs partout, d'aspect caniche. Ah bah justement, j'ai un caniche noir. Bon, en plus, c'est vrai. Je n'ai pas vu le museau. Sa tête de gros chien faisait peur. J'étais paralysé. Il s'est approché de mon frère. Je l'ai senti, puis il est venu vers moi. J'ai fermé et ouvert les yeux plusieurs fois, pensant que tout allait disparaître, mais rien n'était réel à 40 cm de ma tête. Que voulait-il? J'avais l'impression qu'il disait en nous, bah, par télépathie. Je voulais crier, à la limite, hein. Je voulais que mon frère le voie, mais rien. Puis il est allé vers la porte fermée de la chambre, la lumière de couloir filtrée sous la porte, et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis debout. J'ai distingué alors un homme, mais pas complètement, seulement le bas du corps. C'était un homme bête, c'est à sa disparition que j'ai pu crier de toutes mes forces. Donc d'un seul coup, il a disparu. Alors, on rejoint encore une fois, je sais, je suis emmerdant, le polymorphisme et mimétisme des ovnis. Ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent aussi se transformer en nuage. T'as l'impression que c'est un nuage, mais c'est faux. J'ai vu des vidéos comme ça il n'y a pas longtemps, sur UFOVNI 2012, je crois, ou je sais plus. Très intéressant aussi sur le site UFOVNI 2012 sur YouTube, vous le trouvez. J'adore tout ce qu'il fait son travail. Jean Sider, que j'adore. J'ai deux livres comme ça qui sont sortis en 2012, hein, il y a plus de 10 ans, hein, 12 ans. 11 ans, ouais, bref, 10, 12 ans, 10, 11 ans. Ouais. Et c'est le polymorphisme et mimétisme des ovnis. Ça, c'est très intéressant parce que de ce que je suis en train de dire là, bon, ça fait penser un petit peu à ça. Hein. D'un animal, d'un seul coup, il voit que c'est un homme. Bon, je sais pas, je dis rien, mais il est à quatre pattes. Hein, bon. Des années plus tard, à l'âge adulte, j'ai regardé de tout cela à ma mère. Elle m'a confié son souvenir de cette nuit-là car j'étais terrorisé. Elle m'a dit avoir passé tout le reste de la nuit réveillé à mes côtés. Lorsqu'elle a dit au cousin espagnol ce que je venais de voir, il lui a dit que lui aussi avait vu cette bête à plusieurs reprises. Et le plus étrange, c'est que mes détails correspondaient aux siens. Ce monsieur, je ne le connais pas. C'est un membre de ma famille d'Espagne qui était venu rendre visite à ma mère et ma tante. Après que tu aies parlé du Dogman, j'ai regardé sur YouTube le travail de Lionel Camus. C'est vrai que j'ai même pas un livre sur Lionel Camus, c'est fascinant ce qu'il fait aussi. Bon. Lionel Camus. Bon, il y en a qui le connaissent, hein. Je pense que. Bon, après, Lionel Camus, Camy. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Bon. Lionel. YouTube, vous allez voir, c'est très intéressant aussi, tout ce qu'il fait. Souvent, c'est disparition d'êtres humains qu'on n'en retrouve jamais. À la limite, des fois, ça peut être expliqué par certaines choses, ou je sais pas, la mafia, tout ça, mais des fois, quand tu trouves plus. C'est complètement sûr, les abductions, bon bref. Et je n'ai aucun doute, c'est bien ce que j'ai vu, la description est plus que particulière, elle est unique. Et ça ne ressemble à rien de connu. Je me souviens de cette respiration, surtout qu'il était très près de moi, avec un bruit entre reniflement, grognement et râle respiratoire, je n'ai jamais revu. Je n'ai jamais revu, c'est attendu, je n'ai jamais revu. Voilà, c'est... Il y a une personne très proche de moi qui a vu aussi à l'âge de 8 ans dans les bois de Tours, au lac de Bretonnières, des Bretonnières. Il s'agit de ma fille qui a 14 ans aujourd'hui. À ce moment, son papa était avec elle, mais il n'a rien vu. Bon, analyse du témoignage. Malgré l'ancienneté de la rencontre, 46 ans. Ouais. 46 ans? Ouais. Le souvenir de Madame A. Ah, d'accord, ça, c'est autre chose. Reste vivace. L'affaire est plus particulière et place la bête au-delà d'un simple animal sauvage et illusif. Il dit bien d'une bête flirtant entre immatérialité et matérialité. Encore une fois, joie, c'est toujours pareil. C'est comme les ovnis, c'est ce que je dis tout le temps. Voilà, bon. Un être possédant un certain degré d'intelligence entre polymorphisme et mimétisme, matérialisation et dématérialisation des ovnis. C'est pareil, voilà, ils apparaissent, ils disparaissent, ils font ce qu'ils veulent. Bon. En capacité d'apparaître là où se propage la lumière linéaire. C'est quand même incroyable. En plus, hein, ça joue avec la lune, hein, comme par hasard. Les prémices de l'apparition commencent par une étrange succession d'idéogrammes lumineux, puis d'images d'animaux, comme si une bibliothèque de concepts physiques des plans invisibles était lue pour générer le corps de l'apparition à venir. Des plans de l'astral, point d'interrogation. La créature apparaît alors à quatre pattes sous les yeux d'une petite fille terrifiée par cette vision. Je pourrais vous dire que c'est un enfant en plus. Hein. Alors qu'elle voit ça, t'imagines? Vas-y, imaginez. Le témoin me raconte derrière cette impression mentale de toute puissance de la bête et le râle de respiration. L'animal semble prendre connaissance du milieu dans lequel il est apparu, renifle les deux enfants, comme un canidé étudie son odorat hyper développé. Ce n'est qu'en s'approchant de la porte de la chambre, comme s'il souhaitait découvrir le reste de la maison, que la créature prend une posture bipède. Donc à quatre pattes d'un seul coup, il est debout.
ce qui provoque le cri de la petite fille et l'évanouissement de la créature, preuve de sa faible matérialisation. Voilà, matérialisation, dématérialisation, comme les ovnis. Et là, c'est bien marqué, preuve de sa faible matérialisation. La présence de la Lune et les dons de médium, ça c'est intéressant parce que la Lune c'est un sujet qui me fascine. J'ai déjà fait, bon, moi souvent c'est beaucoup Mars, la Lune, toutes les structures qu'il y a dessus, c'est partout, hein. Les structures, mais la Lune en particulier, c'est la Lune que je parle. Elle-même, pour moi, elle ne devrait même pas être là. C'est simple, c'est très simple. Je préfère être clair et net, elle ne devrait pas être là. Voilà, première. Bon. C'est pour ça que ça joue ici avec la Terre, hein. Ça joue, c'est pas un hasard. Hein. Sans compter les vaisseaux, tout ça, bon, qui se baladent, les reptiliens, etc. Bon. La présence de la Lune et les dons de médium de la fillette, qui vivra au fil de sa survie, de sa vie, oh survie, de sa vie sortie du corps, voyage astro et vision d'OVNI. Transmettant ce don à sa propre fille, expliquant pour cette partie ce témoignage, mais un point majeur semble déclencher cette vision, le cousin espagnol. Bon. Ce cousin attire mon attention lorsque Madame A m'a expliqué qu'il était membre de l'Opus Dei. Il s'agit d'une institution de l'Église catholique romaine fondée en 1928. Heureusement de le rappeler parce que je m'en souvenais plus. Par José María Escrivá de Balaguer. Cette organisation a fait l'objet de différentes controverses, notamment en ce qui concerne son aspect secret et son influence politique, ainsi que l'étendue réelle de ses moyens financiers. Lorsque Madame A a hurlé puis que la maman est venu pour la réconforter, le cousin a écouté les propos de la fillette et a indiqué que lui-même avait vu la créature à plusieurs reprises, ceci tendait à expliquer la présence d'un du cryptide par la présence du cousin, ce qui ce dernier a d'ailleurs spéculé. On sait que le dogman gravite autour des sites religieux à fort tellurisme, comme s'il était attiré par le rayonnement informationnel des religions humaines. L'Opus Dei, par son activité religieuse et peut-être par d'autres activités plus officieuses, pardon, exorcisme, point d'interrogation, ne pourrait-il pas une attirance de la créature pour les membres de son ordre? En tout cas, ce témoignage révèle que le dogman peut connaître plusieurs niveaux de réalité éthérique physique. Stade 1 éthérique, il s'agit d'un contexte d'apparition fantomatique particulier où la créature répond à une attirance pour la pensée de certains humains. La présence de la lumière lunaire, oui, ça c'est sûr, est déterminante pour sa matérialisation, mais sous cet angle exclusif, la stabilisation de l'apparition est faible. La présence d'un médium, enfant ou adulte, est déterminante. Alors, un stade 2 physique. Juste avant, c'était le stade 1 éthérique. Un stade 2 physique. C'est le contexte plus connu qui s'opère dans un milieu naturel réunissant les facteurs de densification maximum de l'entité. L'association, pardon, quartz eau et de la présence d'une lune à son apogée ou d'une super lune. Ah oui, alors, ça aussi, alors, n'allez pas me dire que c'est normal, d'un seul coup, tu vois la super lune. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Quand je vous dis que c'est la lune, elle est déjà, la super lune, je trouve ça logique, mais non. Quelque chose qui n'est pas normal non plus. Hein. Bon, voir l'annexe 22. L'animal apparaît au témoin comme une créature famélique, sortie d'un trou boueux et malodorant, comme le Wendigo. Il est à ce moment au sommet de son agressivité à la recherche de premières carcasses d'animaux à consommer pour se condenser dans la matérialité et se stabiliser. On rejoint un petit peu comme Chupacabra, hein. Je dis rien, mais bon, mutilation de bétail. À stade 3, superphysique. Stade 3, superphysique. La créature s'est localisée de manière pérenne sur un territoire répondant à la fois aux critères de stabilisation de sa manifestation physique, ligne de force cosmotellurique, sol hydromorphe sur lit de sable grès ou polzol, et à son besoin de consommation de gibier, abondance de gros gibier, proximité d'une route accidentogène pour les animaux sauvages, présence d'animaux d'élevage ou domestiques, et à leur banlieue de zone habitée, nourrissage involontaire ou volontaire. Le cryptide, moins agressif, est implanté depuis un certain moment sur sa zone et son développement. Et son enveloppe de manifestation s'accroît d'autant, ce qui donne une impression de gigantisme et de sexualisation. Lorsqu'il se manifeste à des témoins potentiels, sa bulle de réalité est telle qu'elle englobe ces derniers et les plonge dans un isolement, un silence les coupant de la réalité habituelle, un peu comme le phénomène OVNI. Bon, je crois que bon, quand je dis que c'est associé, bon, on va me dire oui. Qui aussi génère ce type de bulle spatio-temporelle. Là, je trouve qu'il a très bien dit. Un gros pouce. Les témoins de ce stade 3 peuvent même vivre une forme de missing time, temps manquant, comme les abductions extraterrestres ou ce que tu veux. Pour oublier que dans les abductions extraterrestres, il y a des gens qui reviendront jamais, même des enfants. Il y en a même qui se retrouvent sur Mars, ça je l'avais déjà expliqué.
Là, c'est extrêmement grave. Là, ça peut rien avoir. Là, on part dans un truc, bon. Ou de disparition de la réalité. Je vais vous montrer ça. Il y a tellement de trucs qui me passent en tête. C'est ce que je dis tout le temps. Bon, si la qualité est dégueulasse, excusez-moi. Voilà. La Lune a son influence, a une grande influence sur tous ces phénomènes. C'est pas un hasard. Il y a des structures sur la Lune, il y a des reptiliens. Enfin, il y a un peu de tout, de toute façon, sur la Lune. C'est assez rigolo, bon, bref. Enfin, rigolo, non. Il se passe beaucoup de choses sur la Lune. Sinon, on va regarder les vidéos de Bruce. OVNI Québec, Bruce, BRU, bah comme Bruce Willis, Bruce, OVNI Québec, sur. Il y a un temps que j'ai pas regardé d'ailleurs, tiens, je vais regarder ça ce soir, juste après. Qui fait voir, montre la Lune avec son grand télescope, un magnifique télescope, ce qu'il a. Super télescope d'ailleurs. Il y a un néant de structure, d'anomalie, mais c'est juste affolant, c'est affolant. Et on parle de la Lune, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est pour ça qu'ils vont plus sur la Lune depuis 1972, parce qu'ils sont pas les bienvenus. Je parle des astronautes, hein. Spationautes, cosmonautes, russes, français ou américains. Bon. Bon, enfin, encore une fois, c'est moi qui dis des bêtises, bien sûr. Une mort spirituelle inéluctable. Ben, un peu comme dans Transformers 3. Voilà. Je vous montrerai après la suite. Le schéma personnel, et puis c'est fini. Et ci-dessus montre comment le dogmane peut apparaître ou disparaître. Entre les plans et comment. Alors, je suis en train de regarder parce que bon, ça va faire seulement une heure. Je vais lire jusqu'au bout. Et comment il finit par mourir définitivement dans l'inconscience de la divinité originelle par la voie de la main gauche, sens anti-horaire du cercle de l'évolution globale. L'œuvre théosophique de Dion Fortune, la doctrine cosmique, ça c'est beau la doctrine cosmique, ça veut tout dire cosmique, ça c'est magnifique, j'aime bien le terme, j'aime bien le sens, nous donne un déroulé ésotérique du pourquoi et du comment de ces créatures, ces êtres qui tentent de passer le nadir, règne humain, sous des influences défavorables, ils échouent dans leurs tentatives, retournent le long du chemin originel, lorsque la marée cosmique se produit, ils deviennent ce qu'on appelle des êtres démoniaques et diaboliques, de là vient ce qu'on désigne sous le nom de la voie la de la main gauche. Il y a deux façons de regagner la voie de la main gauche en traversant délibérément l'arc de droite à gauche après avoir franchi le nadir, repartir en arrière du règne humain ou bien retournant en arrière avant de passer ce même nadir. Et John Fourier ajoute à propos de la destruction inéluctable de ces créatures, les comètes ne produisent pas d'âme collective qui puisse évoluer, ce sont des idiots sidéraux. Leurs âmes sont constituées par des éléments artificiels. Certaines d'entre elles sont chargées du service de salubrité du cosmos. Alors là, on rejoint encore le cosmos, hein, l'espace, le cosmos. Alors, on parle de Dogman, on arrive dans le cosmos. Hein, bon, à part ça, il n'y a pas une histoire derrière, il faut logiquement. C'est à celle-là que sont envoyées les rares unités d'une évolution qui, par un usage pervers de l'épigenèse, se sont vouées à la destruction. Bon. La comète ramasse ses unités, celles empruntant dans la voie de la main de gauche, tel le Dogman. Là, on parle de la comète en plus. Hein. Dans sa course, elle les emporte vers les frontières les plus extrêmes du cosmos, là où n'existe aucune influence à laquelle elle puisse réagir. Et des atomes, images cosmiques, matière, énergie, information qui entrent dans leur composition cessent d'être reflétées. C'est magnifique, hein, tout ce qu'il dit. Moi, je dis que c'est du pro. Je dis rien, mais pour moi, c'est magnifique. Pour moi, c'est un des livres préférés. J'ai pas acheté encore une Camille, mais je crois peut-être que j'achète. Là, c'est. J'adore ce livre. Pour moi, il est. En termes de Dogman, Bigfoot, pour moi, c'est un des meilleurs. Bon. C'est là la mort inconnue, ces unités cessent d'exister complètement, et pour elle, il n'y a plus de réincarnation ni de nouveau recommencement. Ce que j'ai dit tout à l'heure, incarnation. Même leur karma se trouve désintégré et ne peut plus atteindre l'esprit collectif. C'est pour ça que je dis, il faut avoir des chakras, la spiritualité, voilà. Alors, il faut essayer, évidemment, tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est pas comique, ça, c'est bon. On dit d'elles qu'elles échangent leur planète pour une comète. Elles préfèrent aller loin et vite, mais elles vont trop loin et trop vite pour les forces qui assurent leur cohésion. Et lorsque la comète à laquelle elles se sont accrochées revient à nouveau dans la sphère de notre système solaire, ça perçoit qu'elles ne sont plus avec elles. Je pense que ça sera la plus grande vidéo que j'ai faite. À faire au moins une heure. Hein. Grand 3, après j'arrête, c'est très court. Validation de ma théorie sur le terrain en tenant de faire un lien entre les sols podzoliques, hydromorphes et des apparitions de cryptides, on ne peut faire
Un premier constat, les lieux historiques et millénaires d'apparition de Bigfoot ou de Dogman sont tous implantés sur ces types d'environnement. Dans ces sombres forêts humides, de résineux et de fougères, en bordure de grands lacs et de rivières sur sol acide, oui, lessivés selon le modèle pozzolique ou saturés d'eau sur modèle des sols hydromorphes, avec présence de sable ou des grès riches en quartz. Pour s'en convaincre, réalisons qu'une étude locale sur un territoire abritant historiquement les apparitions de Bigfoot, Sasquatch et Dogman, l'état de Wisconsin. Wisconsin. Oui, en plus c'est intéressant, c'est de 1963 à 2011. Et j'arrête là, je crois que c'est énorme. Et déjà, je ne vous ai pas montré ici. Je vous montrerai vite fait le livre là. Éternelle présence. Non, mais c'est fascinant. Hein. Alors, regardez bien. Astral, émotionnel, mental, bouddhique, atmique, monadique, adi. Une mort spirituelle inéluctable. Et ici. J'en ferai les photos, vous inquiétez pas, au plus haut pro, parce que là c'est dégueulasse, c'est que fou, je sais pas ce qui se passe. Vraiment pas beau. Comme j'ai une caméra qui est beaucoup mieux pour faire les photos, contrairement à ça. Là, je vais prendre l'autre caméra. Ça sera beaucoup plus net. Voilà. Je coupe là, j'arrête, parce que je crois que c'est énorme. Justement, page 43, je coupe, je crois que ça sera une des plus longues vidéos. Je crois que c'est 43. Hein, on parlait de moi. J'en mettrai le lien de ça aussi, je m'en fous. Allez hop. Quand la voiture devient incroyable, pour ça j'avais déjà fait une vidéo sur ça, je crois. Voilà. Alors on parle de Jean-Claude Panthère. Hein, l'homme le plus contacté d'Europe avec tout ce qui est ufologie, tout ça. Bernard Bidault, le regretté Bernard Bidault, Jimmy Gueux, c'est un très très grand livre aussi. Voilà, regardez bien. De paranormal, quelque chose d'incompréhensible se produisant en dehors de toute normalité courante, ne prenez pas pour une diversion ce qui suit. Alors tout ça, c'est associé à l'ufologie. Et regardez bien les trucs horribles. Hein. La bête de Sarlat. La bête de la forêt de Bénin, je m'en souviens plus du tout, vous savez. La bête du Gévaudan, évidemment. La bête du Vivarais. Alors, en Périgord, la bête de Sarlat, les victimes, c'est hommes, femmes et enfants. Hein. D'accord? Quand même, trentaine de victimes. Après, il y a pire. Hein. Il y en a même une, c'est entre 1818 et 1970. La période a duré entre 1878 et 1970, et cette créature-là, elle a disparu. C'est-à-dire qu'elle a vécu très longtemps. Hein. Ou alors, c'est des petits bébés par vie, j'en sais rien. Bon. C'est juste incroyable. Hein. J'en mettrai, hein, parce que c'est une continuité derrière, évidemment. Allez, je coupe là. Merci, à bientôt. Bon 3 jours, parce que ça va faire presque une heure. Ça fera plus d'une heure. Ça sera peut-être la plus grande vidéo que j'aurai faite. Voilà. Ouais, certainement. Bigfoot Dogman. Je mettrai une petite vidéo par la suite. À la lune. C'est marrant, j'entendais parler. Moi, je veux bien qu'il y ait des gens à cette heure-ci, mais là où je fais la vidéo, il est tard. Il est très tard. Le dimanche, il est très tard. Il est plus de 3 heures, là. Il est 3 heures. Il est pas loin de 4 heures. Bah oui. Des fois, je dors le soir, après, je me réveille. Bref. Ça dépend comment je. Bon, bref, ça dépend. Ça dépend des semaines. C'est assez curieux. Il est très tard. Hein. C'est vrai que j'ai baillé 4 heures, pratiquement. 4 heures du matin, vous imaginez. J'ai dormi juste en quelques heures. Mais je viens de me réveiller, et puis après, je. Bon, bref, c'est bon, un peu de n'importe quoi, mais c'est pas grave. Bigfoot Dogmat entre matérialité, immatérialité, garpant. Par contre, ce soir, je me couche bien avant, parce que demain, voilà. Avec le boulot, évidemment. Garpant. Allez, je coupe là. A plus, merci, ça sera la plus longue vidéo. J'en mettrai le lien de ça et des livres derrière. À plus, c'est juste après je vous balancerai une vidéo sur la lune, si je m'entends pas c'est la lune, je sais plus si c'est la sonde chinoise YUTU, ouais, les anomalies de la lune, bon de toute façon je le sais déjà, hein. Une vidéo de Andreas, hein. De toute façon je mettrai le lien. Allez, je coupe, pour la prochaine fois je repasserai d'excellents livres de Thierry Jamin. J'ai fait aussi une autre grande vidéo qui fait au moins 50 minutes 55, je sais pas. Je crois que c'est Contact OVNI au Brésil. Les années 50, il me semble.
Elle fait pas loin d'1 heure aussi. Enfin, non, la semaine prochaine. Pardon. Allez, à plus. Merci.